Добро пожаловать в мой канал. Chloé Nabédian, journaliste pour France 2, revient sur la tempête qui devrait toucher la France dimanche 31 décembre et lundi 1er janvier. Carmen va ouvrir le bal pour l'année 2018 en beauté avec des vents jusqu'à 120 km/h attendus sur le sud de la Bretagne jusqu'au nord de l'Aquitaine, explique Chloé Nabédian. Une fois rentré à l'intérieur des terres, on attend jusqu'à 100 km/h, notamment pour la région centre, le massif central et le Limousin. Ce qui inquiète le plus la journaliste sont les vagues et submersions. L'océan est influencé par le coefficient de marée, qui va surélever le niveau de la mer, explique-t-elle. Comme lundi il sera très élevé, la surcote sera très importante. Le deuxième phénomène important, c'est la dépression qui va se creuser, provoquant les forts vents vus juste avant. Ces mêmes vents vont donner vie à des vagues jusqu'à 8 mètres de hauteur. C'est l'ensemble de ces phénomènes qui pourraient provoquer ce risque de débordement des eaux et d'inondation, qu'on appelle vagues et submersions. À lire aussi.